Après une nuit plutôt agitée, et donc un réveil difficile, les deux classes sont rassemblées sur la place du village de Châtel-Sansoir pour prendre le chemin du pèlerinage de Vézelay. L'église primitive a été incendiée à la fin du 9e siècle, en 878. Alors, le pèlerinage est devenu important au 11e siècle, au début du 11e siècle, vers les années 1040-1037, quand les reliques de la Sainte ont été exposées. Celui qui est le deuxième à partir de la gauche, là-haut, c'est Marie-Madeleine qui implore le pardon. À partir de la gauche. Tout en haut. Oui, tout en haut. Hein. Le deuxième à partir de la droite, c'est la Vierge. Ouais. Et de chaque côté, c'est-à-dire à l'extrême gauche, à l'extrême droite, ce sont deux anges. Voilà. Par contre, la partie inférieure, ce sont des saints, six saints. Alors je suppose que ça doit être Saint-Luc, Saint-Marc, Saint-Jean, Saint-Matthieu. C'est ce qu'on veut. C'est vrai qu'il est moche, cet enfant. Bon, alors là, il y a trois portails. Hein. Bon, ben, un, deux, trois.
La tour sud, c'est la tour Saint-Michel. Alors la tour sud, c'est celle-là. Qui fait 37 mètres. Si par contre il y a une tour nord là, mais elle n'a jamais été achevée. Hein. Donc, après la rigueur de la basilique de Vézelay, l'exubérance du gothique flamboyant de l'église de Saint-Père surprend. Puis en 20 mètres, nous remontons 14 siècles pour visiter le musée gallo-romain, un bon préliminaire à la visite des thermes des Fontaines Salées. Après cette mise en jambe, autant vous dire tout de suite que la deuxième nuit fut beaucoup plus calme. Joli mois de mai, quand reviendras-tu pour nous broder les feuilles, pour nous torcher le dos au clair de la lune, mon ami Pierrot. Oh, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il est charcutier, il coupe ses andouilles, le couteau est tombé, il s'est coupé les. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Oh, 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 prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il s'appelait Ignace, il aimait qu'on l'embrasse. Il s'appelait Hercule, il aimait qu'on l'embrasse aussi. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Oh, 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 prête-moi ta plume pour écrire un mot. Bon, alors d'abord une petite annonce. Vous avez remarqué qu'on a des difficultés en approvisionnement d'eau. Hein. Vous êtes donc prié de ne pas faire de lessive. Vous êtes prié de ne pas faire de lessive avec l'eau qu'on ramène dans les jerricanes. Et d'aller faire votre lessive dans Lyon. Hein. Bon, alors le programme de la journée maintenant. Nous allons commencer par visiter le château de Tanlay. Ensuite, nous irons au château d'Ancy-le-Franc. Ce sont deux châteaux Renaissance. Puis au retour, nous visiterons une petite ville ancienne qui s'appelle Noyères. Ensuite, nous retournerons au camp. Et à ce moment-là, on reprendra les vélos
de façon à aller examiner les roches au niveau des carrières que vous avez vues en passant tout à l'heure, c'est-à-dire dans les carrières derrière les rochers du parc. Ensuite, Madame Defoin vous fera un petit peu d'écologie dans le même secteur. Et pour terminer la journée, on ira à Mailly-le-Château, il y a un joli point de vue sur la vallée.